déjà fait un appel, mais c'était avant l'assassinat épouvantable d'Hervé Gourdel. Donc là, il y a encore plus de raisons, c'est-à-dire que nous nous étions rassemblés déjà pour demander une coalition pour protéger, défendre les minorités exterminées en Orient, en Irak, notamment après ce qui s'est passé avec les génocides, les exactions du groupe Daesh. La France entre en action. Et un innocent en Algérie meurt. C'est un martyr aujourd'hui. Et nous nous sentons, nous, le groupe Tous Chrétiens d'Orient, qui regroupe aujourd'hui plus de 10 000 signataires sur Internet, ainsi Tous Chrétiens d'Orient.fr. Comment vous dire ? C'est la conséquence de l'intervention de la France que nous soutenons. Nous soutenons le gouvernement qui a eu le courage même de faire la conférence à Paris, la conférence internationale, pour engager la guerre contre l'intégrisme de Daesh. Et aujourd'hui, cet homme est mort. Tous les chrétiens devraient être présents, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos convictions, quels que soient nos combats par ailleurs. Là, il y a une union nationale que nous réclamions déjà précédemment. Parler d'union nationale, c'est que les chrétiens, c'est les chrétiens et les musulmans. On était à la Grande Mosquée hier. Quand j'ai vu avec que le credo, le groupe de Patrick Karam, la coordination de Patrick Karam, signait l'appel de Paris avec les musulmans, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il était en train de se mettre quelque chose de très important en route, c'est-à-dire effectivement une union nationale entre les religions en France. Les juifs étaient là la semaine dernière, les juifs de France étaient présents avec un jeune conseiller municipal de Stein, Laurent André qui était là, j'espère. J'ai vu qu'il y avait une dame qui est représentante d'une amitié judéo-chrétienne qui est présente aussi, une dame juive. Et puis nous avons SOS Racisme, c'est extrêmement important parce que là on est en dehors des religions, on est dans la laïcité républicaine, on va dire, qui défend aussi toutes les persécutions des minorités. Et je pense que si ça se passe bien aujourd'hui, qu'on montre cette fraternité, effectivement, il y a un symbole très fort qui est donné à la nation française. Là, on sait que c'est le podium de la mairie de Paris. Je vous dis, nous, on est quand même représentants d'une catégorie plutôt chrétienne. On sait où on était dans la rue il y a un an. C'est très important. Il y a de la droite, il y a de la gauche, il y a toutes les religions, il y a toutes les sensibilités. Enfin, j'espère, il y a la grande communauté qui est un peu plus loin là-bas.